même bizarre, normalement c'est moi qui fais un interview aux gens, pas l'inverse. Je m'appelle Ludovic Tournier et j'ai 21 ans. Alors je viens de Vias, un petit village qui se situe dans l'Hérault, pile poil entre Béziers et le Cap d'Agde. Et je suis auto-entrepreneur. Alors j'ai obtenu mon baccalauréat technologique, donc STI 2D, option architecture et construction. C'était au lycée Auguste Loubatière à Agde, et il me semble que c'était en 2016, un truc comme ça, ouais, 2016 exactement. Donc pour ce qui est de mon activité, j'ai monté mon entreprise qui est une agence de production pour tout type de médias. Donc elle recouvre trois catégories, à savoir la photographie, où là on va s'occuper de la promotion d'une marque de vêtements, ou alors de différents mariages, ou encore de la création d'un book. On a ensuite la réalisation vidéo, où là on va s'occuper par exemple de la création d'une publicité pour une entreprise, ou alors de la promotion d'un artiste, de par la réalisation d'un clip vidéo. Et enfin, on a la post-production, où là, on s'occupe de montage vidéo et de retouche photo. Donc je pense que tout le monde va avoir le même type de réponse, à savoir le double projet. Pour moi, le DUT GEA correspond parfaitement à ce que j'ai besoin en soi. On a des matières de droit, de management, de comptabilité, et je trouve ça juste essentiel pour la création d'une activité professionnelle. C'est pour ça que j'ai choisi le DUT GEA. Alors déjà, un diplôme, ce serait pas mal. Non, mais personnellement, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais vraiment aucune notion de droit juridique, j'avais aucune notion managériale, je savais même pas établir un plan marketing pour vous dire. Je savais juste faire des sites web et des photos. Donc c'est sûr que cette formation, elle m'aide énormément à pouvoir corriger mes erreurs que j'ai pu faire lors du développement de mon entreprise. Je dirais de me créer un réseau d'entourage, c'est primordial pour moi. Alors pour ce qui est de mon parcours scolaire, je dirais valider mon DUT, entrer dans une troisième année en licence pro. Alors pour ce qui est de la licence pro, j'hésite encore, je flanche encore entre le management et le marketing. Donc je verrai bien au cours de cette année, je choisirai. Mais ouais, rentrer dans une troisième année de licence pro et poursuivre avec un master. Pour ce qui est de mon activité professionnelle, j'ai pour objectif de développer tout mon réseau partout en France. Et pourquoi pas à l'avenir le développer en Europe en installant des sièges sociaux dans différents pays.